Bien le bonjour tout le monde, c'est je The Magic Kevin avec un skin chelou. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle snapshot, donc c'est mes deux vidéos à la suite de la snapshot vu que vu ma cadence de vidéo il y en a une qui est sortie direct. Et j'essaye de les faire quand je les fais pas c'est que c'est assez compliqué. Enfin niveau comment le bloc surtout. Donc aujourd'hui une snapshot intéressante. Moins que celle de la sortie de ça, c'est une amélioration. Donc on va attaquer ça de suite. Donc la première amélioration c'est ça. Les rebonds. Enfin, vous vous souvenez quand on se faisait pousser. Hop. On va faire ça, comme ça, comme ça. Comme ça là, on avait un rebond. Voilà, donc là ça fait pareil, ceux qui l'ont mis à, je vais garder ça, l'horizontal. Donc ouais, là si on est poussé par le piston, on est censé arriver ici. Mais là, avec le rebond, on arrive ici sur le troisième bloc. Donc on me dira ça fait quand un bloc, mais voilà. Donc après, nous avons aussi ici. Voilà, on voit que quand on pousse, c'est quand même considérable. On arrive, excusez-moi, ici. Donc c'est quand même pas mal. Donc on va refaire, hop. Donc voilà. Après, bon, cela est aussi apporté au niveau des items, entités, mobs, tout ça. Donc on va se mettre en peaceful. Non, voilà. Donc d'abord on va essayer. Enfin, y a, là c'est pour deux parties la machine. Donc là c'est on va être poussé en l'air et on va être poussé sur le côté. Donc on va être poussé en étant en l'air. C'est un rebond quoi. Horizontal. On est jeté en l'air. On va faire sans moi. Voilà. Le piston se lève. Pendant qu'on est en l'air, celui-là il nous pousse. On est éjecté. Pour traverser des vides et tout, c'est pratique. Là, je m'assure qu'il sort du champ du PC, je suis désolé. Donc voilà. Donc après, ça marche aussi avec tout ce qui est item, flèche, TNT. Donc là-dedans, il y a de la TNT, donc on va faire ça avec de la TNT. Juste au cas où ça foire, je prépare un pseudo. Donc voilà. La TNT va être dispensée, donc elle va être allumée, elle va être soulevée. Et pam, elle va être propulsée. Chut. Et voilà. Ah. Merde. On se reverra plus tard. On va juste faire World Board 7200. Voilà. On sera plus tranquille. Hop. Voilà. Enfin, j'avais déjà fait des trous avant. Avec 3 TNT. Donc voilà, c'est assez bien. Donc on va refaire un petit coup et hop, on la voit bien, c'est bien. Donc maintenant on va essayer avec les flèches qui est une entité comme une autre hein. Donc bien sûr qu'ils feront des dégâts si quelqu'un se le prend. Bon, voilà, elles ont volé jusque à saleté de souris ici. Donc c'est assez c'est pas mal pour en défendre de loin. Voilà, hop. Bon, je sais pas ce qu'elle a ma souris, excusez moi donc voilà. Après on va essayer avec les items normal. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un stack de redstone. Donc ça c'est ce qui bug le plus, que ce sont des vrais, enfin des entités qui peuvent bugger. Donc on voit, on croit que ça passe à travers. Enfin, c'est assez bizarre quand on voit elles disparaissent. C'est assez bizarre. Donc, j'en rejette. Je sais, attends, on voit même pas parce qu'elles atterrissent.
Enfin, en tout cas, ça marche, hein, si vous arrivez à trouver le... Merde, j'ai mis à côté, c'est pas grave. Peut-être que ça, si on augmente le timer de un tick. Bon, en tout cas, ça marche. Ah, voilà, ici. Ah oui, là aussi. Donc, on voit que c'est les propulsé. Donc, ça marche aussi avec les mobs, hein. Enfin, c'est comme les joueurs. Et les potions, si on remplace ça, hop, hop, comme ceci, et voilà, on voit qu'elle a été droppée, enfin, de toute façon, elle a été explosée. Donc, voilà, donc on passe à la deuxième nouveauté, ce qui est, pardon, au niveau du World Border, donc World Border qui est la limitation de terrain. Du coup, on va avoir besoin de ça. Donc, déjà, si vous avez le World Border Center, donc ce sont vos coordonnées que j'ai mises quand j'étais un peu décalé. Donc, là, ici, vous mettez le centre, vous mettez vos coordonnées ici. Donc, ça sert, ça partira, c'est le milieu de votre monde, et ça partira sur tout le rayon que vous avez délimité. Donc là, 760. Voilà, 760 blocs white from 15 blocs. Qui vient de 15 blocs. Bon. Donc là, on voit que j'ai mis 60. Donc là, si on va jusque là-bas, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Si on va jusque là, normalement, il y a 60 blocs. Bon. Après, je suis encore un peu vague parce que j'ai pas tout à fait compris. Mais normalement, c'est bon. Donc après, nous avons le World Border. J'ai essayé juste un truc. Merde. Non. World Border, le warning time. Donc le warning time, c'est... Attends, j'ai oublié celle-là. Donc World Border 7, 15, 10. Donc ça, c'est que ça va mettre... Ça va vous le mettre à 15 blocs. Donc from... Ah oui, ok. Parce que ça vient de 60 blocs. Non. Il va mettre 10 secondes pour venir à 15 blocs de vous. Ok, il va venir comme si on avait fait un World Border 7-15. Sauf que là, il va mettre 10 secondes. Après, si on imagine qu'on le remet à 60 et qu'on met 2 secondes, il va détaler. Voilà. On sait que de ça qu'on va se servir. J'ai juste faire un give magic crafts. Non. Vraiment que je m'habitue à mettre les trucs comme ça, command block 1, hop, game mode 1, alba sp, hop, et hop, voilà. Donc on a le warning time, donc ça, j'ai ce qu'on verra juste après, je vais remettre à 0. Non, c'est bon. Donc c'est à dire que quand vous serez à quand la barrière sera rétrécie, donc si vous êtes là, si voilà comme ça, c'est 3 secondes avant que qu'elle vous entre dedans, parce que ça peut avoir des dommages, votre écran va commencer à devenir rouge. Donc c'est le warning. Ah merde, ah mais ok, alors, oh le con, j'ai l'impression que ça a bougé, mais en fait non. Donc on va refaire un. On va faire un 15, un 15-10, tiens. On va le mettre à 60, on fait un 15-10, et on voit qu'il y a un warning time, donc 3 secondes avant, on voit que mon écran commence à devenir rouge. Hop, 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 hop. Et on est là. Et là, je suis bloqué. Donc on va faire un World Border 700. Fuck. World Border, j'ai l'habitude de mettre un là. Donc là, on va le faire venir... 15 en 10 secondes, hop, 1, enfin on va, à partir du moment où j'ai commencé à devenir rouge, je pouvais se dire que ça faisait 3 secondes, c'était le début des 3 secondes, donc voilà, après nous avons, après le wait time, donc 3 secondes, que je mette à 0, hop, on a le distance. Donc ça, c'est quand vous y allez à pied, quand vous êtes à
pense qu'on fait 5. On va avoir de la distance 5. Quand vous vous approchez, quand vous êtes à... Là, on voit ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, hop. Votre écran devient rouge. Donc c'est un warning distance. Donc ouais, c'est comme ça. Devient rouge. Donc c'est 5, donc c'est 5 blocs. Hop, donc si on met, si on le fait venir, sachant que le waiting time est à 0, donc si on le fait venir, hop, quand je serai à 5 blocs, 1, 2, 3, 4, 5, là, ça c'est commencé à devenir rouge. Je m'en vais vite, hein, voilà. Donc je le remets à 60. Donc voilà. Donc ça se peut être bien, enfin, pour les KTP si vous connaissez. Warning distance, voilà. Donc ça c'était juste pour me mettre en GM1. Donc là on voit le Warbler Damage Amount. From to Weapon. Ok. Donc ça j'ai pas encore tout à fait compris. Mais il me semble Damage Amount per bloc. C'est par bloc. Ou par... c'est assez bizarre. C'est les dommages que vous prenez en dehors de... Non, ça c'est le buffer, on verra après. En dehors, quand vous êtes dépassé par là-bas. Donc on va juste se mettre en game mode. Non, attendez. Donc voilà, c'est 2. On se met en game mode 0. On prépare la commande World Border 760. J'ai encore mis un A, excusez-moi. Donc on va la faire descendre. C'est celui-ci. Donc on voit que quand je suis dehors, je prends des dommages. Et je suis mort. Donc ça, je ne sais pas comment ça marche. Enfin, hein. C'est assez spécial. Voilà. Faut que je sois en GM1 pour entrer dedans. Donc, non, donc ça, ce sont les dommages. Si je mets 0,01, je devrais avoir beaucoup moins de... Dommage. Hop. Pour moi c'est ça. Après je veux pas m'avancer trop mais il me semble que c'est ça. Donc on voit oui que c'est ça. C'est une quantité de dommage en gros. Donc on voit que j'ai carrément le temps de me régénérer. Hein. C'est pour ça que j'ai pris les potions. Donc voilà, donc là vous pouvez, sûr, vous pouvez plus bouger. On va le mettre à 60. Donc ce sont la quantité de dommages. Donc voilà. Après vous avez le Sage Game Mode. Le buffer. Donc le buffer que je n'ai absolument rien compris. Damage buffer, ça c'est pour les map makers. Donc vous apprendrez map maker, mais je ne sais absolument pas ce que c'est. Enfin, dev border damage buffer. Faudrait juste traduire buffer. Peut-être quand non, c'est pas quand on s'approche, je sais pas et tout. Enfin, j'ai pas mis temps là-dessus. Désolé de pas vous le dire, mais voilà. En tout cas, c'est une principale pour les world border. Donc, et la dernière nouveauté, c'est marrant ça, c'est le Game Mode 3, mais malheureusement je pourrais pas vous faire de démonstration, parce que je ne suis pas en serveur. Donc c'est au niveau des serveurs, bien sûr, juste à la fin de la vidéo, vous aurez une démo rapide, ou enfin, ce qui est donné, on va dire, de ce que ça fait. En gros, ça vous ouvre ici, ça vous ouvre une barre, comme si vous avez des items en F1, donc... chemin game mode 1 et fin, enfin non, juste la barre ici vous aurez là avec des têtes, une tête qui a remarqué player et une tête team, donc les teams qui sont avec les scoreboards je pense. Donc une tête, quand vous cliquez sur player, vous aurez toute la liste des players, enfin 8 joueurs, tous les joueurs là qui seront affichés là, et s'il y a plus de 8 joueurs, vous avez une flèche pour les faire défiler, et quand vous cliquez dessus ça vous téléporte, et là du coup après quand vous quittez tout, vous revenez et vous avez le truc team ici que vous choisir avec un truc là, et le truc team c'est pour se téléporter. Après vous aurez chaque team et vous cliquerez sur la team bleue, team rouge pour y voir les joueurs. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette snapshot 14W19A. Bon, peut-être qu'il y en aura une B, c'est pas sûr, c'est pas grave. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.
soit une snapshot si je vous la fais, soit une vidéo de je ne sais pas quoi, ce sera la surprise. Bon, je vous dis bisous à tous, portez-vous bien, et on voit que ça a fail, ça arrive, hein. Et voilà, allez, bisous à tous, bye.